Avec le numéro 67 sur le ring numéro 1, présenté par le haras des Preux. Oula, une fille de Cap-Garde avec une mère par Villez et la grand-mère par Lutantique. La mère Villemanzi a gagné à Lyon en plat. Elle a mieux fait encore un obstacle puisqu'il s'est imposé dans le prix de Soissons à Anguin et dans le prix 4 co à Lyon. C'est la famille de Marazonien, vainqueur de groupe 1, outre-Manche. Cette pouliche est déclarée née le 1er janvier. Donc là, c'est une petite erreur. Elle est née le 13 mars. Voilà. Et donc, Villemanzi a déjà donné naissance à Orphic, qui compte 8 victoires. Alors, Orphic, il a une petite étoile à côté de son nom. Ça signifie qu'il est actuellement à l'entraînement. Enfin, en tout cas, il est à l'entraînement à l'époque de l'édition des Pédigrés par Thierry Grandcyr, DNA Pédigrés, il y a moins de 15 jours. Et donc, Orphic est à l'entraînement. Les chevaux qui n'ont pas d'étoile ne sont pas actuellement à l'entraînement. Et là, c'est Thierry Grandcyr a fait ça pour la production de la première mère. Vous voyez d'ailleurs que pour le 68, c'est la même chose. Chayandi, le 2011, est à l'entraînement, ce qui n'est pas le cas de l'Arrache Saman à 2 ans. Allez, les mâles!